deviner à quel instrument on va la jouer. Oh! Oh, à l'accordéon! Il n'y a pas encore dansé. C'est vrai. Pas sur mon contrat! T'as pas lu les petits montages qu'on a. Petits on va finir ça avec un autre morceau de Régent Lisotte. Compositeur inspiré, très prolifique. Et puis ça, c'est une pièce qui est magnifique et puis qui est super simple. Souvent, les airs traditionnels, quand on se met à apprendre des airs de violon lyrique, c'est quand même relativement compliqué, disons, comparé à certains autres styles de musique, mettons des valses, des airs plus lents, des airs de chansons. Lyrique, c'est assez virtuose, il y a beaucoup de notes, mais Régent Lisotte a donc composé des mélodies super simples et très belles et très accrocheuses. Alors ça, c'est la promeneuse. Est-ce qui joue d'un instrument de musique ici? Ouais, quelques-uns? Ah, bon ratio. On apprend beaucoup en musique. Comme Pascal disait, on apprend les morceaux à l'oreille. Donc, je suis certain que vous allez le savoir avant qu'on ait fini le morceau, vous allez le connaître par cœur. Puis même les non-musiciens, si ça vous tente de fredonner ça avec nous, c'est une belle mélodie toute simple qui s'apprend bien. Puis comme on aimerait ça vous revoir avec vos amis à notre prochain concert qu'on va faire dans la région ici, on aimerait ça pouvoir communiquer avec vous directement pour vous envoyer un petit coucou comme quoi on va repasser par ici. Fait que j'ai ce bidule électronique là que je vais mettre sur la table là, puis vous pouvez rentrer vos adresses e-mail si vous voulez ou le passer à la table suivante. Pendant que vous apprenez le morceau. Ma mère, ça veut dire, Pascal, rapporte mon disque de Léo Point et mon iPad rapidement. C'est bien du jeu. C'est correct. Ok. La promeneuse. La promeneuse. Et puis on s'est fait plaisir sur le disque. Plusieurs invités sont venus. On a un trompettiste, Jacques Cuba Séguin, qui est venu jouer sur le Prince Eugène. On a Nathalie Haas au violoncelle sur Les Habitants de Montréal. Et puis sur ce morceau-là, on s'est payé la traite. On a Jason Rosenblatt à l'harmonica, Mathieu Galland au violon, Nathalie au violoncelle encore, Laura Risk au violon, une belle gang, Marjorie Deschamps, ainsi que Pierre-Olivier Dufresne. Une belle gang. T'as-tu dit Jason Rosenblatt? Ouais, je l'ai dit, c'est le premier. Ah, on leur dit Jason Rosenblatt. Qui, ouais.